Au sommaire de ce journal, pour des raisons de santé, la visite du pape François en RDC et au Sud-Soudan est reportée pour une date ultérieure, information confirmée par le nonce apostolique. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal sur la RTNC. Le roi belge et son épouse poursuivent leur séjour en République démocratique du Congo. Hier, le couple royal est arrivé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où il a communié avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. Reportage Guilain Kabalundi. Lubumbashi, capitale mondiale du cuivre, à quelques heures de l'arrivée du couple royal belge, deuxième étape de sa visite officielle en terre congolaise. La ville rayonne et les décors est bien planté. Dans les rues, les attentes sont nombreuses. D'ailleurs, c'est la joie. Et nous tous, et avec la population, vous voyez à côté de moi, on est prêts pour l'accueillir. Et ça fait un honneur pour notre pays. Vint alors le moment M à l'aéroport de la Loano. Il est midi. L'avion militaire transportant Sa Majesté le Roi de Belge descend du ciel bleu et clair de Lubumbashi. Sur le tarmac, tous les détails du cérémonial protocolaire ont été pris en compte. Le roi Philippe et la reine Mathilde s'extirpent de l'appareil et sont accueillis et salués par le premier ministre avant de recevoir leur bouquet de fleurs. Le monarque belge et son épouse, qui font leur premier pas sur le sol louchois, saluent tour à tour les autorités et personnalités qui constituent le comité d'accueil avant de s'installer un instant au salon d'honneur de l'aéroport. Sur le chemin vers le lieu où il devra ériger son quartier général, le couple royal belge s'est offert un bain de foule. Militants de partis politiques, forces vives de la province et plusieurs autres louchois sont venus dire Karibu Kwetu au roi et à la reine pour leur visite historique de 48 heures dans cette ville. Sa Majesté le roi devra dès ce vendredi visiter l'école belge et s'entretenir en sciences académiques avec les étudiants de l'université de Lubumbashi. Une soirée culturelle offerte par le gouverneur du Haut-Katanga à l'hôtel Pullman Grand Caravia sanctionnera son programme du jour. La première dame de la République démocratique du Congo, Denise Nyakeru Tshisekedi, vient d'être élue vice-présidente de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique. Son élection est intervenue au cours de la 26e Assemblée générale de l'organisation tenue sous le thème 20 ans au service des plus vulnérables de l'Afrique qui a eu lieu au Congo Brazzaville. Notre envoyé spécial Naïcha Kiala y reviendra avec force d'État. Mais bien avant de traverser le pot de Malébo, la distinguée première dame a fait visiter au couple royal le marché d'épagne de Bichongobila. Reportage. Le grand Baoba, c'est cet enclos au bord du fleuve Congo, considéré comme le plus grand marché de pagne de Kinshasa. Et c'est ce lieu que la première dame de la République a choisi pour convier le couple royal belge à une immersion au cœur de la culture vestimentaire congolaise. De pagne vêtue, comme la distinguée première dame qui en a l'habitude, Sa Majesté la Reine Mathilde a particulièrement admiré la diversité de ce qui se conçoit au Congo comme un art et qui valorise la femme congolaise. Sa Majesté n'est pas que souverain, il est aussi un homme attentionné. Le roi Philippe a même le temps d'aider sa reine à choisir quelques articles. Mais cette visite revêt une symbolique au-delà de l'aspect culturel qui attire le premier regard. La présence du couple royal auprès de ces femmes est beaucoup plus encore une manière pour le roi et la reine d'encourager et promouvoir l'entrepreneuriat féminin qui soutient économiquement la classe moyenne dans le pays. En RDC, l'entrepreneuriat est au cœur d'une lutte menée par la distinguée première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour l'autonomisation de la femme congolaise. Un axe qui figure parmi les quatre exposés à l'attention de la reine lors d'un tête-à-tête avec l'épouse du chef de l'État congolais. Juste après le départ du couple royal belge, la première dame de la RDC a effectué la traversée du fleuve pour prendre part à l'Assemblée générale de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique, OBDAD, tenue le vendredi à Brazzaville. Puis ce communiqué des FARDC sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu après l'attaque des forces rwandaises sur les forces armées congolaises. On écoute le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouvernement du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo informent l'opinion nationale et internationale que
depuis 16h15 de ce vendredi 10 juin 2022, l'armée rwandaise a tiré une dizaine de bombes sur les territoires de la République démocratique du Congo. Ces bombes, tirées par un canon à longue portée à plus de 22 km à partir du territoire rwandais, ont explosé à Biruma et à Kabaya, localités situées dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha en territoire de Rutshuru, respectivement à 5 km et demi et à 1 km et demi à l'est de Rumangabo. Pour les bombes de Kibaya tombées plus précisément dans l'enceinte de l'Institut Saint-Gilbert, les bilans encore provisoire est de 2 enfants de sexe masculin tués. Il s'agit de Ishak Kamapenzi, âgé de 7 ans, et de Jérémy Nziouvira, âgé de 6 ans. Un autre garçon, dont l'identité n'est pas encore précisée, a été blessé et est admis dans un centre hospitalier de la place. En plus du bilan humain, l'armée rwandaise a bombardé toute une école, ce qui constitue à la fois un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Rappelons que c'est à Biruma où 2 militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, ont été dernièrement capturés le 28 mai 2022 par les forces de défense et de sécurité avec l'appui de la population qui résiste à l'agression de notre pays par le Rwanda. Pour non seulement justifier ces bombardements destinés à punir la population qui avait aidé à capturer les militaires des forces spéciales rwandaises, mais aussi flouer et tromper la communauté internationale sur ses intentions belliqueuses, le Rwanda a publié le communiqué selon lequel les FARDC auraient tiré des bombes sur le territoire rwandais. Même stratagème utilisé pour justifier les dernières attaques de Rumangabo et de Kibumba. Habitué à sacrifier ses propres populations, le Rwanda, pour se victimiser et trouver les mobiles pour agresser la RDC, n'a jamais hésité de bombarder son propre territoire pour ensuite tirer des bombes sur le sol congolais. En plus, pour confirmer le soutien de l'armée rwandaise au M23, nous sommes en possession des images des drones attestant l'occupation de Changzhou et de Runyonyi par les forces de défense du Rwanda RDF. Les forces armées de la République démocratique du Congo, avec l'appui de la MONUSCO, ne sont pas restées les bras croisés face à la cruauté des occupants. Elles continuent à riposter et à se défendre pour sauvegarder l'intégrité du territoire national et protéger les populations congolaises jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent la population de maintenir la vigilance totale et de dénoncer toute présence suspecte. Nous l'avons dit au sommaire de ce journal, la tournée du pape en Afrique est reportée. Le nonce apostolique qui confirme l'information évoque un problème de santé lié à son genou, ce qui complique sa mobilité. On écoute le nonce apostolique dans cet extrait choisi par Patrick Michel Mukui. Bonjour à tous. Comme vous le savez, acceptant la demande de ce médecin, et afin de ne pas compromettre le résultat de thérapie du genou encore en cours, le Saint-Père, à son grand regret, et a décidé de reporter, était contraint de reporter son voyage en RDC du Congo et au Sud-Soudan, en date ultérieure qui reste encore à définir. La raison est seulement médicale, le voyage est reporté, pas annulé. La raison pour laquelle le pape vient reste toujours valide et nous engage encore plus. Il vient comme pèlerin de paix, comme pèlerin de réconciliation, et alors nous, comme quand le père de famille reporte son voyage pour des raisons de santé, nous que sont ses enfants, nous nous engageons à préparer encore mieux notre cœur et à vivre déjà son message, qui est un message d'amour, de réconciliation. Et on grand merci à tous ceux qui sont en train de travailler. Nous devons encore
continuer et apprendre aussi de ce que le pape nous montre, à accepter ce que la vie parfois nous demande. Il y a toujours un message de Dieu, nous devons l'accepter, vivre dans la paix pour être capable d'être personnes réconciliées et fraternelles. Merci et salutations à tous. À l'Assemblée nationale, 380 députés ont voté les trois projets de loi de ratification de coopération internationale. L'économie générale de ces trois projets de ratification a été présentée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. Les trois textes sont renvoyés au Sénat pour une seconde lecture. Reportage Bernard Baudot, Sylvie Moïmbo. Les trois projets de loi dont celui autorisant l'accord général de coopération entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, celui relatif au traité pour l'établissement de la communauté d'Afrique de l'Est, ainsi que celui de l'accord de coopération technique et économique dans le domaine des investissements et d'infrastructures entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la RDC ont effectivement été adoptés par la Chambre basse du Parlement. Sous la conduite du président Christophe Mbosoko Diapwanga, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala Pene Apala, qui présentait l'économie générale de ces trois projets de ratification, a épinglé les avantages que le pays tire de son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est, comme l'intensification des échanges commerciaux et particulièrement du commerce transfrontalier. Au terme d'une motion de procédure du député national Jean-Baudouin Mayo Mambeke, les trois projets de ratification ont été votés in globo, moyennant quelques amendements. Sur 386 députés nationaux présents dans la salle, 380 ont voté oui, 3 non, 3 abstentions. Les trois projets de loi portant ratification sont renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Au cours de la même plénière, les bureaux de la commission spéciale temporaire chargée de l'exploitation des vacances parlementaires pour la période de décembre 2021 à mars 2022 a présenté son rapport de travail à l'Assemblée plénière. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a eu une séance de travail avec le représentant de l'Union européenne en RDC. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC était longuement évoquée. Doris Mozotamboué, Henri Amouli pour le reportage. La situation sécuritaire à l'est de la RDC ne laisse pas indifférente la communauté internationale. C'est le tour de l'Union européenne de hausser le ton pour la fin des hostilités dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Une séance de travail a réuni cet avant-midi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Palapenapala, et les représentants de l'Union européenne en RDC. Jean-Marc Châtaignier dit qu'il est temps que le M23 dépose des armes pour un retour définitif de la paix à l'est de la RDC. Le ministre, parce que nous préparons ensemble une mission des différents services de l'Union européenne qui vont venir la semaine prochaine. Vous savez qu'on a un grand dialogue politique général, mais on a décidé de concentrer nos efforts avec une session dédiée lundi à ces questions de paix et sécurité, en particulier dans l'est du Congo. Donc nous allons revoir avec le ministre, avec les autorités, la situation dans l'est. Bien sûr, moi, en tant que représentant de l'Union européenne, j'exprime ma solidarité pleine et entière pour les populations de l'Est du Congo qui sont victimes d'atrocités. Nous avons déjà condamné et nous condamnons les actions des groupes armés, en particulier celles du M23, qui participent à la déstabilisation du pays et qui vont contre la paix. Et puis ce sera aussi l'occasion pour nous de réaffirmer le soutien que nous apportons au processus de Nairobi dans son double volet, et je dis bien un double volet diplomatique d'un côté, pour amener un certain nombre de groupes armés à se rendre, et militaire pour amener à récipiscence, pour réduire les groupes armés qui refusent la paix. Dès ce lundi, une commission Union européenne-RDC va travailler pour harmonisation de vues et la planification des étapes à suivre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, est arrivé depuis hier à Mbujimayi, dans le Kasaï oriental. Les conditions sociales des agents publics de l'État de cette province, il en sera question dans ces échanges. Cédric Kenina, Nadine Kilosho et Moke Maluma nous donnent d'autres détails.
C'est sous les coups de 15h16 que l'avion qui avait à son bord le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a atterri en Boujimaï dans le Kassai oriental. Au pied de l'avion, Jean-Pierre Liaou a été accueilli par quelques ministres provinciaux et les chefs des divisions de l'administration publique de cette province. Devant les agents de l'État, le patron de la fonction publique est revenu sur l'amélioration des conditions salariales des agents publics de l'État qui nécessite, selon lui, une nette amélioration et ce, d'une manière équitable sur toute l'étendue du territoire national. Je sais qu'ici, au Kassai oriental, il se pose beaucoup de problèmes de stagnation des carrières. Les carrières n'avancent pas. Les textes ne sont pas respectés. Les gens font du surplace. Et s'il y a quelques titularisations, quelques avancements en grade, eh bien, tout s'opère sous la table, pas conformément aux critères. Il y a des privilégiés, il y a d'autres personnes qui n'ont pas de défenseurs, qui n'ont pas de passerelle pour obtenir ce qui est devenu comme un privilège. Tout cela doit cesser. Il faut que les fonctionnaires à travers le pays soient traités de la même manière, de manière égalitaire, de manière impartiale. Jean-Pierre Liaou a affirmé connaître les difficultés des retraités et rentiers. Cette situation préoccupe au plus haut point les présidents de la République et les chefs du gouvernement. Et cela a conduit à la mise en place de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics, la CNSAP, qui sera inaugurée dans 6 mois dans la province du Kassai oriental. Et évidemment, c'est la toute première fois que le patron de la fonction publique puisse fouler ses pieds dans le Kassai oriental. La RDC fournit des efforts pour ne pas manquer de produits pétroliers malgré la hausse du prix du baril sur le marché international. Le secrétaire général du ministère de l'économie en a parlé devant la presse. Diane Balaka, Sandra Nyangui pour le reportage. Le prix du baril a pris de l'ascenseur sur les marchés internationaux. La RDC en subit les conséquences, ce qui a occasionné ces réajustements du prix à la pompe. Mais fort heureusement, le gouvernement a mis la main à la poche. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Puité, le démontre. Le gouvernement de la République fournit beaucoup d'efforts que nous avons les prix qui sont affichés aujourd'hui. Dit-on comparaison n'est pas raison. Quand vous allez en France, on est à 2 euros. Vous pouvez convertir en francs congolais ce que ça vous donne. Mais nous sommes à 1 dollar et quelques. On est en train d'explorer de nouveaux marchés pour voir où est-ce que pratiquement nos sociétés pétrolières peuvent acquérir ce produit-là à un bon prix, à réduire de manière drastique ses pertes et manques à gagner. Tout ça, c'est pratiquement dans le programme du ministre de l'Économie. Le produit pétrolier étant classé comme produit stratégique, le gouvernement reste très attentif afin qu'il n'y ait pas pénurie. Concernant son hydrogène, la haute hiérarchie de la République avait décidé qu'on puisse accorder une subvention à cette société à hauteur de 10 millions de dollars. Et son montant a été mis à la disposition de la Sonidrog à travers le ministère de l'Économie. Et cette société possède en ces jours 10 millions de dollars pour lui permettre quand même de décoller. L'État ne pouvait pas fermer les yeux à voir ces sociétés-là mettre la clé à la porte. Et donc, ceux qui avaient soumis au ministère de l'Économie un dossier clair et net, donc ces sociétés-là ont obtenu un paiement, et d'ailleurs deux fois qu'ils venaient d'être payés, pour leur permettre pratiquement de renouveler les stocks au niveau de la zone sud. Toutefois, une mise en garde sévère a été adressée à l'endroit des opérateurs véreux qui ne respectent pas la structure de prix. Deux projets phares du ministère de l'Entrepreneuriat sous le financement de la Banque mondiale étaient au cœur de la séance de travail entre le ministre des tutelles et une délégation de cette institution de Bretton Woods. Les modalités de faisabilité de ce projet visant la promotion du secteur des PME étaient passées au peigne fin. Mireille Ndeke. Transforme ce projet de la Banque mondiale visant la promotion du secteur de PME sera consacré à la transformation économique, l'entrepreneuriat féminin et la modernisation de PME par l'emploi et la croissance. Pour matérialiser ce programme, la Banque mondiale, partenaire de taille de la République démocratique du Congo, vient d'accorder un financement de 300 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans au gouvernement congolais à travers le projet PADEM-PME.
C'est pour ce faire que le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, Maître Eustache Mohanzi Mumbembe, a eu une séance de travail avec la délégation de cette institution de Bretton Woods sur les modalités de faisabilité de ce projet qui se démarque par l'entrepreneuriat de femmes, reconnaissant la place de celle-ci dans le développement économique du pays, un secteur privé diversifié et florissant, et la clé de la transformation économique de la RDC. Grâce au financement, le projet transforme tombe à point nommé, a martelé le ministre d'État, Maître Eustache Mohanzi Mumbembe. Soucieux de promouvoir son secteur, le ministre d'État salue ce nouveau projet qui favorisera également l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Le patron de PME a encore une fois sollicité l'appui de la Banque mondiale sur l'implémentation des incubateurs en RDC à travers les provinces pilotes retenues pour ces 10 programmes. La délégation syndicale nationale de l'Office de gestion du fret multimodal nouvellement mise en place a tenu un point de presse pour assurer du calme qui a depuis élu domicile au sein de leur établissement. Etichala. Après plusieurs mois de tumulte, la sérénité est revenue à l'Office de gestion du fret multimodal. La nouvelle équipe de la délégation syndicale a tenu à rassurer les autorités de la République de la bonne marche de cet établissement public. Cécile Indungunae Amako, présidente de la délégation syndicale nationale de l'Office, en compagnie de Mafondo Mbaki Christian, vice-président et Nzengu Meta secrétaire, encourage le bon climat de travail pour la bonne gestion du fret qui entre et sort du pays. Comme vous pouvez le constater, la paix sociale est revenue à son sein. Tout est calme, le travail se fait normalement et les résultats sont là. C'est ici pour nous l'occasion de remercier particulièrement Son Excellence Monsieur le Ministre des Transports, Voie des Communications et des Désenclavements, la tutelle de l'OGFREM, d'avoir placé à la tête de l'OGFREM deux directeurs maison, M. Justé Kamwanya Kalemuna, l'EMS, et M. Théo Yamaya Mamoukwa, respectivement DGAI et DGAAI, qui font preuve d'une compétence et aptitude bien gérer au quotidien cet office. La délégation syndicale nationale de l'Office de gestion du fret multimodal reste disposé à rendre disponible l'information utile pour la bonne marche de leur établissement. Le territoire de Gungu attend de pied ferme l'achèvement du projet de Kakobola. La population de cette partie de la province de Kwelu a profité de la présence du ministre de Ressources hydrauliques et électricité pour lui faire part de leur désirata. Après cet échange, Olivier Mouindé Moukaleng a eu des entretiens avec les notables de la rive gauche et droite de Kakobola. Marie Kalong, Tonton Makelele ont signé son reportage. Mobilisée comme un seul homme, la population de la cité de Gungu a réservé un accueil chaleureux au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouindé Moukaleng. Toutes tendances confondues, les habitants de ce coin attendaient de ce membre du gouvernement un seul message, celui en rapport avec l'avènement de l'électricité. Naïe Awa, na cadre ya visite ya projet Kakobola. Je suis porteur des messages du chef de l'État. Envoyé pour vous dire que le projet Kakobola doit être achevé. Soyez-en rassurés. L'élu de Gungu, l'honorable Rombo Fumani, a dans sa prise de parole procédé tout d'abord par la présentation de ses collègues tout en expliquant aux siens le bien fondé de l'électricité. L'un des moments forts de la journée était la visite par le ministre et la délégation qui l'accompagnait du musée national de Gungu. Ce musée abritait d'importantes collections historiques africaines, en particulier des productions du peuple Pende. Musée détruit à l'époque par un feu d'origine inconnue, le ballet Pende a défilé l'un après l'autre pour souhaiter la bienvenue au patron de l'énergie. Olivier Mouindé a également eu une séance de travail avec les chefs coutumiers de la rive gauche et droite du barrage de Kakobola. Ces derniers souhaitent que leur secteur soit éclairé. La délégation de ces autorités traditionnelles a remis un présent au ministre Mouindé en signe de reconnaissance.
Déménage de village Yema Ndouji dans la ville côtière de Moanda ont été formés aux techniques agricoles modernes, initiative de l'entreprise pétrolière Perenco pour soutenir la vision du chef de l'État, celle de planter 1 million d'arbres. Les projets 1 milliard d'arbres lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nécessitent la participation des particuliers. La forêt artificielle, visible sur le site agroforestier de Yema, dans la ville côtière de Moanda, en est une parfaite illustration. Ces projets, mis en œuvre depuis 2014 sur 200 hectares, est une initiative de la société pétrolière Perenco. Pour un meilleur rendement au total, 20 ménages du village Yema Ndouji ont été formés aux techniques agricoles modernes par le centre Kadim. C'est parce qu'on utilise des bonnes techniques, on utilise des bonnes semences, et avec ça, on arrive déjà à avoir des résultats formidables. On a appris et avec succès développé la production et la commercialisation du miel, qui est excellent, le miel d'acacia. Et puis donc maintenant, on en arrive à la dernière étape, qui est la carbonisation de ces arbres, qui après 8 ans ont permis de refertiliser les sols, à travers notamment la capture de CO2. Donc là, ils vont faire du charbon, qu'ils vont pouvoir vendre, qui va faire aussi une part de leurs revenus. Et Perenco va continuer à développer des sites d'agroforesterie sur le territoire de Moanda. Les produits de la première carbonisation écologique issus des arbres d'acacia de cette forêt, ces charbons du bois, ont été présentés ce jeudi 9 juin 2022 avant sa commercialisation. Les conseillers principaux du chef d'État en charge des hydrocarbures, le professeur Adalbert Makoutou, a apprécié les niveaux d'engagement des Perenco. Ce qui va en fait dans ce que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, en train de demander, eh bien, le mandat qui venait de se terminer au niveau de l'Union africaine, basé en fait sur les changements climatiques. Eh bien, là, c'est vraiment un exemple. Lutter contre les changements climatiques. Ça nous réjouit, parce qu'il y a beaucoup d'espèces qui sont revenues, en fait, dans cette forêt. Peut-être qu'il y a même la chasse qui se pratique. Les communautés locales peuvent en profiter, parce que nous recevons tout le temps des plaintes, qu'il y a pollution, la Perenco est en train de polluer les espaces, alors que là, ce que nous vivons, ça contredit pratiquement tout. Les fermiers du site agroforestier de Yema ont remercié Perenco pour son appui matériel et financier pour le développement des communautés locales, la lutte contre la pollution et la préservation de l'environnement et le bien-être social de la population locale demeure le cheval de bataille de cette société pétrolière. C'était un reportage de Marie-Louise Mbella. Une fourchette des femmes habitant Boudi dans la commune de Mangafula ont bénéficié des crédits rotatifs pouvant leur permettre d'exercer quelques activités et devenir ainsi autonomes. La plupart d'entre elles vendaient des pains, des fruits et autres produits de première nécessité. Marthe Mangazakalala. Promouvoir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur l'autonomisation de la femme, surtout celle vivant dans les milieux ruraux et urbano-ruraux, voilà ce qui a fait la préoccupation majeure de Mme Yvette Riziki, qui a fait le déplacement le jeudi 9 juin 2022 de la paroisse Saint-Léonard, située au quartier Mboudi, commune de Mangafula. La secrétaire nationale de l'AFDC de Modeste Barati Lukwebo a inauguré le système des crédits rotatifs en faveur des femmes urbano-rurales. Ceci afin de booster l'esprit entrepreneurial qui sommeille encore dans la majorité d'entre elles. Aussi, celles qui réussiront à réaliser les meilleurs résultats avant les prochaines rotations auront droit à un bonus de crédit plus significatif. Nous sommes satisfaites du lancement officiel de notre stratégie de microfinance aujourd'hui. Et la fortune a dans ses objectifs l'obligation d'accompagner et d'assister les femmes à leur autonomisation. Nous avons octroyé des crédits rotatifs et sans intérêt aux mamans qui sont dans de petits commerces. Et c'est cet argent ou les crédits que nous avons octroyés, c'est pour aider ces femmes-là à accroître leurs activités. Ces crédits ont constitué un bassin et une enveloppe d'espèces sonnantes et trébuchantes pour permettre aux récipiendaires de démarrer une activité rentable.
L'université de Kinshasa vient d'accueillir un nouveau professeur dans la faculté de médecine, précisément en santé publique. Le docteur Godefroy Moussema a défendu sa thèse intitulée « Épidémiologiste moléculaire phylogéographique et résistance des souches du VIH-1 isolées chez les professionnels de sexe en RDC ». Le travail contient 118 pages. Reportage Guy Matundu, Emmanuel Commissaire. Il vient de rejoindre le prestigieux corps professoral de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Lui, c'est le professeur Moussema Ali Godefroy. Il a défendu avec brio sa thèse intitulée « Épidémiologie moléculaire et phylogéographique et résistance des souches des VIH2 isolées chez les professionnels des sexes en République démocratique du Congo ». Le docteur Moussema donne les grandes lignes de sa thèse et fait quelques recommandations. Les PS, ou bien les professionnels des sexes, c'est une population d'abord à haut risque du VIH et qui constitue une population relais de l'infection du VIH pour la population générale. C'est pourquoi nous sommes intéressés à ça. Alors, comme des recommandations, nous pouvons dire que les PS doivent écouter la sensibilisation en matière de la transmission du VIH. Donc ils doivent se protéger, ils doivent protéger leurs clients. Et quand ils se protègent, quand ils mettent les condoms régulièrement et correctement, je pense qu'on va essayer de diminuer la prévalence du VIH dans notre pays. Les pouvoirs publics devraient tenir compte des résultats de ces recherches pour une meilleure prise en charge des professionnels des sexes. Et pendant ce temps, le syndicat national des médecins a eu une séance de travail question d'évaluer la mise en application de toutes les promesses tenues par le gouvernement congolais vis-à-vis des médecins. D'autres précisions avec Rodé Panda. À la suite de l'arrêt de travail enclenché par les médecins jusqu'au 31 août 2021, une issue favorable aux revendications de ces professionnels de blouse blanche avait été trouvée, avec l'engagement pris par le gouvernement de la République de répondre positivement à leurs desiderata. 10 mois après, les SINAMED, Syndicat national des médecins et autres, se sont retrouvés en comité restreint pour une évaluation. Constat, rien n'a évolué du côté du gouvernement. Il nous revient tous qu'en date du 3 août 2021, le gouvernement de la République et deux syndicats des médecins, SINAMED, ASBEL et SIMECO, avait signé un accord reprenant les grandes préoccupations de la corporation médicale en matière administrative et financière. Malgré les différents messages d'alerte, dont les dernières dates du 16 mai 2022, le gouvernement de la République est resté insensible jusqu'au 26 mai, date à laquelle Son Excellence Monsieur le Premier ministre, par son cabinet, va adresser une lettre d'apaisement aux multiples cris de détresse du SINAMED. Le bureau exécutif national du SINAMED risque de ne plus se sentir lié par cet accord. Le bureau exécutif du SINAMED sollicite ainsi des actions auprès de tous les membres réunis en Assemblée générale pour lever une option et décider. Le bureau exécutif national demande à tous les médecins de se réunir en Assemblée générale afin de lui donner, dans un bref délai, une conduite à tenir. Du reste, les SINAMED continuent de défendre les intérêts des médecins, membres de la corporation. Il faisait partie des grandes figures de la presse congolaise, un des chroniqueurs de musique aguerri. Ilunga Mwanabute wa Mutombo a tiré sa révérence à Kinshasa. Hier vendredi, l'illustre disparu a été porté en terre après avoir reçu des hommages dignes. Yolande Voto. L'impolitesse de la mort, promenade sans retour.